Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening 2.0. Ça fait quelques temps que je vous en ai pas fait, mine de rien. La dernière fois, eh bien, on a chopé un énorme perso, on a chopé Hercule. Malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore monté, comme je vous l'ai dit, comme beaucoup de personnages d'ailleurs sur mon petit compte. Même si lui, ça peut être une exception, ça peut potentiellement être une exception, comme peuvent l'être certains, mais disons que il fait partie des quelques personnages. Donc en 6 étoiles. Donc d'ailleurs j'ai monté Elsa en 6R2 depuis et à terme peut-être qu'elle montera 6R3. Pour l'instant j'ai pas de T5C donc enfin voilà. Mais en tout cas, on a toujours du coup l'ami Hercule qui est pas monté au max. On a toujours Profix, on a toujours Ghost, Warlock. Enfin voilà, on a les gros persos qui sont pas montés. Comme je vous l'ai dit, si j'arrive à l'éveiller sur un cristal 15K, peut-être que je le monterai R3. J'ai bientôt mon deuxième T5C cosmique. Du coup ça risque d'être pour lui. Pour l'instant c'est pour Super Skrull. On verra un petit peu. Et c'est possible d'ailleurs qu'on complète notre T5C dans cette vidéo. Donc l'idée, on va ouvrir un petit feature, un 6 étoiles feature. L'idée c'est d'avoir d'avoir un des features, notamment Spidey 2089, j'aimerais beaucoup parce que je ne l'ai pas, et ça serait un up que j'aimerais beaucoup faire en R3 sur ce compte. Penny Parker, ça m'intéresse pas trop sur ce compte parce que je l'ai déjà sur le gros compte, et c'est plus, enfin elle est déjà montée et tout, donc je la monterai pas sur ce compte. Hercule, potentiellement l'éveiller. América Chavez, pourquoi pas. Purgatory, pourquoi pas. J'aimerais peut-être bien la monter, elle, plutôt que sur mon gros compte. Ça serait intéressant. Voilà. En tout cas, on va ouvrir les quelques petits trucs qu'on a à côté. Et voilà. Et ensuite, on sera parti pour les quelques 5 étoiles et le 6 étoiles feature. Et du coup, bien évidemment, il y aura d'autres cristaux qui vont arriver hein, dans le mois de décembre, bien évidemment. Là, c'est vrai que ça faisait quelques temps que je n'avais pas tourné de vidéo, mais là, ne vous inquiétez pas, il va avoir des vidéos assez souvent, je pense, de Big Opening. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai. Alors, je ne sais pas quand j'aurai tourné, quand j'aurai sorti cette vidéo. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Je sais que je tourne une vidéo de Big Opening et une vidéo de Deeper Opening d'affilée là. Sachant que l'objectif c'est de les sortir pas trop tard parce que je sais qu'il va y avoir pas mal d'openings à partir de l'ouverture de l'événement cadeau. Donc voilà, l'idée c'est de pas trop le sortir tard. Donc on verra. On verra, mais voilà, pour l'instant l'idée c'est d'ouvrir ce petit feature. Un petit Nova en 4, ça fait plaisir. Ça fait des éclats 5. L'idée, ça sera de continuer à ouvrir des features. Peut-être qu'à la fin du mois, alors ça dépendra. Hein, si j'ai chopé Spidey 2099, ça dépendra aussi si. Parce qu'en vrai, je pense que dès que j'ai chopé Spidey 2099, je pense que je m'arrête. Très franchement, c'est vraiment le perso que je veux. Bon, Thor, j'aimerais beaucoup aussi. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir surtout Spidey 2099, parce que c'est vraiment le perso que j'aimerais beaucoup monter sur ce compte-là. Mais à côté de ça, voilà, comme je vous ai dit, potentiellement éveiller Hercule, potentiellement avoir Purgatory et tout. Et l'idée aussi, ça sera de stocker un petit peu pour le feature d'après. Feature d'après qui sera très intéressant avec notamment Icaris, Knull et. Oh putain, pas un petit 5, ça fait plaisir. En plus, c'est un 5R5, donc c'est cool. Il y aura Knull, il y aura Icaris et il y aura Circé. Trois persos qui pourraient prendre un 6R3. Donc à voir si j'aurais monté mon 6R3 dans cette vidéo ou pas. On va voir. On va voir en tout cas. Mais je vous avoue que ça serait plutôt intéressant. En vrai, je sais pas trop ce que je ferais, mais bon, l'idée, c'est, ça va être, voilà, de monter un 6R3, donc soit Hercule, soit, donc si je l'éveille, soit Super Skrull, et le prochain 6R3, j'aimerais beaucoup que ça soit Knull, soit Circé, soit Icaris, celui que je ne monterais pas sur mon gros compte. Voilà, l'idée, ça serait ça. Ok, donc de ce côté-là, on est bien. On va avoir un 5 Nexus aussi. On va avoir un 5 Nexus qu'on aura gagné grâce à la saison. Alors oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, on a terminé Platine 3 dans cette saison 32 GA. On n'aurait pas. Pour le coup, là, il n'y avait pas de suspense, on n'aurait pas bougé. Hein, on aurait. Je pense pas qu'on. Ah, on aurait peut-être pu descendre, je sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Mais on n'était pas proche de descendre. Mais en vrai, si on perdait les trois dernières, peut-être qu'on serait descendu. Je sais pas. En vrai, c'est pas grave, de toute façon, c'est que de l'expectatif. Et sachant que sur le gros compte, d'ailleurs, bon, je sais pas si l'hyper opening sera sorti avant ou pas. En tout cas, sur le gros compte, on a réussi grâce au dérank à être P2. Et ça fait grave plaisir. Bon, au final, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, coup de gueule sur la GA, ça ne change pas grand-chose à nos récompenses. Donc c'est pas un truc, voilà, où je me dis, waouh, trop bien, on est P2 au lieu de P3. Disons que si c'était la bascule entre P2 et P1, là, je sauterais de joie. Voilà, parce qu'il y a quand même un gros enjeu quand même de choper le 6 étoiles feature. Nexus, pardon. Ok, je pense qu'on est pas mal. On va ouvrir du coup les petits ultimes.
Ça marche. Sachant que du coup, on a deux cristaux 25% de T5C qui pourraient soit nous permettre de compléter un cosmique, soit peut-être de se rapprocher du virtuose aussi. Enfin voilà, y a pas mal de trucs où on peut potentiellement être pas mal. Ok, donc on aura ça, on aura ça. Ah, 39 cristaux. Ah oui, on est pas mal. Hein, on aura peut-être un petit cristal 5 en plus. Bon, 6, ça m'étonnerait, mais en vrai, si on peut grappiller des éclats 6 et avoir un peu plus d'éclats 5. Putain, on n'a pas d'éclat 5 pour l'instant, c'est fou. Pourtant, l'éclat 5, c'est... Putain, c'est un truc de dingue. J'ai rechopé encore des éclats 6. Eh ben, on n'aurait pas eu d'éclat 5, c'est fou. C'est complètement dingue. Écoutez, c'est complètement dingue. En vrai, sur ce compte-là, je vais l'ouvrir, la gemme. Gemme mystique. Mystique, mystique, mystique. Alors, peut-être pour long shot, à un moment, il faudrait peut-être que je l'éveille. Bon, je l'utilise pas, hein, mais voilà, ça pourrait être intéressant, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a d'autre à ouvrir? Est-ce qu'on a d'autres trucs déjà? Est-ce qu'on a d'autres trucs? Alors, on va avoir ces cristaux de T5C, on va pas... Non, on va pas avoir de cristaux d'arène. Est-ce qu'on a du 4 étoiles à ouvrir? Non, on n'a même pas de 4 étoiles. Bon, bah en 5 étoiles, ça me paraît un peu compliqué d'avoir un truc de plus. Écoutez, on va ouvrir les deux trucs de T5C. Donc, comme je vous l'ai dit, du cosmique, si possible. En vrai, je suis tellement proche que je pense qu'ils me donneront pas de cosmique. Je pense. Mais bon, en vrai, je prends n'importe quoi. Hein. De toute façon, il me faut du T5C sur ce compte. Mutant, ok. Mutant, j'en ai déjà monté combien? De 6 R3. Je crois que j'en ai un, plus un mutant de stocker, je crois, mémoire. Je crois que j'en ai un. Bah, ça pourrait être pour Kitty Pryde, hein, dans le prochain feature, ça serait lourd. Et le deuxième T5C, ça sera pour du science. Alors, le science, du coup, il n'y aura pas de hub de Super Skrull ou de Hercule dans cette vidéo. Le science, le science, le science. Alors, science, c'est pas ouf parce que science, bon, ça nous en donne bientôt un autre, mais on en a déjà un. Et le mutant, je vois bien qu'on en ait un deuxième quand même. Sachant qu'on n'a toujours pas eu de virtuose. Hein. C'est quand même assez dingue. Bref, écoutez, on va ouvrir du coup. Oui. On va ouvrir du classique. Ça sert à rien d'ouvrir du feature. Parce qu'en vrai, sur ce compte, voilà, maintenant le 5, je m'en contrefous. En vrai, je vais les ouvrir direct. Je vais les ouvrir direct. Écoutez, Doom, c'est des éclats compétences max. Nova. C'est un 5R5, donc c'est pas mal. Et deux autres, c'est du nouveau. Bah écoutez, bah, ça se sent. Lui, c'est des compétences max. Écoutez, ça se prend. Ça se prend, ok. Maintenant, on va ouvrir le Nexus. Et ensuite, on ouvrira le 6 étoiles. Alors, Cristal, 5 étoiles, Nexus de la fin de saison 30. Est-ce qu'on va avoir du nouveau? Est-ce qu'on va avoir du 5R5? Est-ce qu'on va avoir de l'éveil? Eh bien, on va prendre clairement le nouveau. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, et eh bien écoutez, le petit Venom. Maintenant, eh bien, écoutez, il nous reste plus qu'un truc à faire. Ouvrir le 6 étoiles. Donc, comme je vous l'ai dit, les deux principaux, ça serait Spidey 1099 et du coup l'éveil d'Hercule. Potentiellement Torche, ça pourrait être intéressant. Voilà, Purgatory, ça c'est intéressant. Après, le surveillant Penny Parker et ouais, je m'en fous. América Chavez, bon, je la montrerai pas sur le gros compte, donc potentiellement sur celui-là. Mais sinon, après ça, bon, le reste m'intéresse que moyennement parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai déjà up sur le gros compte, que ça soit des Diablo, des Miles Morales, des Guillotines, des bon, ah, peut-être Venom Pool en vrai, Venom Pool, pourquoi pas. Mais vous voyez, Karnak, Nebula, j'ai déjà up. Spidey Stark, j'ai déjà up 5R5 sur ce compte, je le montrerai pas. Medusa, Iceman, voilà. Bon, Diablo, j'ai déjà monté. Enfin, voilà. Écoutez, on est parti pour ce nouveau cristal featured 6 étoiles sur le deuxième compte. En espérant voilà, avoir un des gros gros tirages. Pour le coup, je suis un peu plus difficile sur ce compte que sur le gros compte. Parce que pour le coup, en fait, je ne veux pas monter ce que j'ai déjà sur le gros compte. Donc pour le coup, oui, je suis un peu plus difficile. Mais c'est ce qui est ça qui fait la beauté du truc. Nouveau Crystal Featured, après Hercule, nous allons choper. Il y avait Spidey derrière. On va choper le pire perso de ce cristal. On aura chopé le meilleur et après le pire. En vrai, c'est legit. C'est legit, non, c'est vrai, c'est carrément legit.
L'éveil de Daredevil classique, c'est vraiment pas ouf pour le coup. Écoutez, voilà, ça sera un tirage qui tombe à l'eau, malheureusement. Ça tombe à l'eau. Écoutez, on viendra plus fort. On viendra plus fort hein, pour de nouveaux tirages. Alors, je vais du coup juste faire le gain de niveau. Je l'avais laissé au cas où je chopais un truc en 6 d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, du coup, en 6, du coup, j'ai un science, je pourrais monter Captain Infinity War. Enfin, j'en ai un, du coup, de T5C. Le problème, c'est que bon, alors, en soi, je pourrais, il y a plein de trucs, hein, que je pourrais monter. Enfin, plein de trucs, non, en vrai, il n'y a pas plein de trucs. En vrai, en science, je suis quand même assez limité. Ah, il y a Spider-Gwen, quand même, mais bon. Il y a Spider-Gwen, mais j'aimerais bien avoir l'éveil de Captain Infinity War. Ça serait cool. Ça serait très, très cool. En tout cas, au-delà de ça, on a du coup... D'ailleurs, on n'a pas une gemme de... Ah ouais, on a une gemme de 6R2 en science. C'est-à-dire qu'en science, là, on peut monter un 6R3 direct. Genre, on chope un science. Si on avait chopé Spidey, on peut le monter direct. En vrai, j'espère choper Spidey quand même dans le mois de décembre avec tous les cristaux que je vais ouvrir. J'espère quand même beaucoup. Voilà, et en mutant, du coup... Alors, en mutant, ça sera... En vrai, j'ai déjà monté Magneto et j'ai un T5C, du coup. Donc ça peut être Gambit, ça peut être Emma Frost, ça peut être... Bon, Magneto Blanc, je le montrerai pas. Mais du coup, bon, Profix, je le montrerai sûrement sur le gros con. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je vais pas le up sur celui-là. Mais à voir s'il y a peut-être un rework de Cyclope, à voir si je monte pas Emma Frost, si je monte pas Gambit, voilà. À voir. Je vais monter un truc que quoi qu'il arrive, je ne monterai pas sur le gros con. Donc, nous voilà. En tout cas... Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, tirage clairement moins bon que celui qu'on a eu la dernière fois. Mais écoutez, moi je vous dis à plus, on se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages sur ce deuxième compte, il y en aura je pense au moins un ou deux de plus dans ce mois de décembre avec tous les éclats qu'on va choper, donc voilà, et sachant que derrière il y aura les récompenses de classement de l'event cadeau, donc enfin voilà. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, salut !